Bonjour. Voilà, bienvenue sur Fast Good Cuisine, encore une fois avec Hugo. Et on n'est pas n'importe où, mais ouais. En Russie, à Novosibirsk. Regardez là, c'est pas écrit en français, c'est pas écrit en anglais. Et ça, attendez, hein. C'est pas du fond vert, hein. Pour comprendre pourquoi on est là, tout simplement c'est parce qu'on fait le concept de Instagram Control nos vies. Exactement, c'est ça. Le premier épisode où on arrive ici est déjà disponible, il est sur la chaîne d'Hugo. Pour aller le voir, vous tapez Hugo Posé Instagram sur la barre de recherche YouTube. Et là maintenant, on est dans le gros du pays, on est dans la meilleure partie, manger. On va manger, on va découvrir Novosibirsk, ça va être de la folie. Vous allez nous contrôler, ça se passe sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste ici. Pour ma vidéo, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes accompagnés de deux guides qui vont nous emmener partout. On y va, Hugo ? On y va. Allez, c'est parti, on charge. Bon, eh bien voilà, on est accompagnés de deux guides qui vont nous aider. Svetlana et Katarina. Internet. Internet. Et donc maintenant, on va juste nous expliquer ce qu'on va retrouver dans ce restaurant. We are going to eat a lot of Russian food right now. You know, soup, salads, potato, meat, everything you can imagine is here. Vas-y, vas-y. Ok, allez, on y va. Wow. Venez, venez, je vous emmène. Venez, allez. Alors, déjà, je voulais vous faire choisir ce que je vais manger. Autant vous dire qu'avec une carte écrite en russe, très compliqué. Je vais encore une fois changer la langue de mon téléphone. Le en clavier russe. Russe, ouais. Là, c'est vous qui a décidé du repas. On va voir ça ensemble. Hugo, tu es prêt? Attends, je sais pas c'est lequel. 56, 44, 56% for something and 44% for another. What is that? Oh. What is it? La soupe rouge. Yes, moi j'ai trop content. Yes. De la soupe rouge. On va découvrir. Hein. Exactement. Attendez. Hugo, il avait soif. On va faire un petit vote et on va tester une boisson. C'est parti. C'est vous qui allez choisir. Voilà, et une boisson en plus. Elle a la pression, mais qu'elle monte. Vas-y. On dirait que c'est le deuxième qui a gagné. Yes. 45, 56. Yes. Which one is it? Ah, oh, elles ont pas l'air contentes. Les compotes is compote. Not good. It's good. Okay. Yeah, but it's not bread drink. Ah. Hugo va prendre le bread drink. Tu veux qu'on... On va prendre. Ok. Bon bah écoutez, on arrête. Mais j'ai trop faim. Ça, je pense que c'est de la moutarde en vrai. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Vas-y. C'est une moutarde qui est super forte. Je le précise maintenant parce oh que. Non. Oh, ça va dans les narines, mec. T'imagines une cuillère comme ça? On va vous demander sur Instagram qui de nous deux va devoir manger cette cuillère. Exactement. Et autant vous dire que ça va piquer. Exactement. Adine, va, tri. Cheers. Make moi un goût de popcorn. Like, it tastes popcorn for him. Ah oh, yes. Ah le goût de popcorn, c'est fou. Oh les boissons, c'est grave bon. Bon maintenant. Bon maintenant la moutarde. La moutarde. Mec, mais les gens sont méchants. Vas-y, vas-y, c'est un moment dans la vie, il faut y aller. Adine, va, tri. Quoi? Ah, attends. Wow, j'en ai mis partout. Je vois des petits oignons et tout, là. Ça sent... Je dirais que c'est de la nette. Oh ouais. C'est de la nette, avec des oignons. En viande. Un petit morceau de bœuf. Alors qu'à la base, je ne suis pas soupe, mais là, c'est validé. Привет. Я был. В Новосибирске. Пока. Yeah. Et maintenant, moi, je vais leur apprendre quelque chose. Hola. Hola. Attendez. Hola, attendez. Okay. Instagram contrôle ma vie. Okay. Hola, attendez. Instagram contrôle ma vie. Waouh. Alors là, c'est incroyable. C'est incroyable. On va essayer la tenue traditionnelle russe folklore. Bah c'est parti. Hola. Too many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing. 1, 2, 3. Tu te dépenses et tu libères les calories en faisant de la danse. On a retrouvé une tenue classique. Charles est passé de son statut d'archevêque à youtubeur. C'était une expérience magnifique, mon gars. Et maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la destination suivante. Ok, ça me dit.
Bon, là, on va vous proposer des bonnets que vous allez choisir. Bien évidemment, il faut prendre les plus insolites. Soit des bonnets colorés comme ça, ils sont bien moches. Ou alors, on a ces deux casquettes slash snapback slash truc bizarre. On va vous demander ça sur Instagram et on attend vos résultats. Oh non, mec, c'est tout l'inverse, mec. Je pensais qu'ils allaient dire les bonnets, mec, ils ont pris les snapbacks là. Moi, je prends la noire perso. Mais comment croire que je suis dog gynéco? Bon, bah, on est officiellement russe maintenant qu'on porte des bonnets. Sauf que c'est des bonnets qui sont à la base des bonnets féminins, on va pas se cacher. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Là, on va regarder les résultats pour le défi du jeu de la VR. On vous a donné le choix entre avant manger ou après manger. Le verdict, c'est parti. Oh là là, mais déjà, encore une fois, 67% de après. Bon, on va manger. Coup, on va manger et on se retrouve là-dedans. A tout de suite. Bon, là, on a le choix puisque derrière nous, il y a KFC, McDo. Et savoir, c'est que les gens ici surkiffent KFC. Mais de haut, go. C'était juste hein. 58% mec McDo, 42% KFC. Ça part en McDo, hein. On est d'accord. Allez, on y va. C'est parti. Ok, bon, verdict, on a mangé la McDo. Ça veut dire santé. C'est bien, putain, bonne charlie, la France. On commence à devenir bilingue en russe. Prègne de la culture. On a mangé McDo. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dégustation McDo en Russie. Il y a tous les nouveaux produits. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les infos et vous êtes au courant de tout. On a voulu faire de la réalité virtuelle. La machine était cassée. Grosse dédicace à la vendeuse qui a eu l'honnêteté de nous dire. Après, c'est pas ouf. Venez ici. Une vraie salle d'arcade russe. On y va ? Allez, on y va. Allez. Oh, t'as eu S! Il est là! Mais qu'il est là! J'ai eu B, t'as eu F! Such a fucking hoe, I love it! You're such a. La danse, égalité, il nous faut un vainqueur. Il faut faire la belle, on va le faire ici! Enculé! Allez! Tanné! Est-ce que tu penses qu'on va chanter allemand ou américain? Moi je pense qu'on va chanter allemand. Ouais, je pense aussi. Allez, 3, 2, 1, go. Do you like it? Bon. Bon, nous sommes actuellement dehors dans la pluie. Nous avons rentabilisé nos chapeaux. Oh mec, je suis trop content de l'avoir acheté. On se retrouve où, mon Charlie? Là, maintenant, on a le choix. Soit on C'est bon. Magnifique. Soit on fait la grande roue, soit on fait une promenade. Bon, j'avoue que je ne pense pas qu'on va faire une promenade. Si les gens décident de la promenade, mec, on l'a fait qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse moins 20 degrés. Oui, mais je les connais. Ok, maintenant, nous allons regarder quels sont vos résultats. Oh, Oh mec, les gens vous avez sauvé, 87% pour le manège. Bon bah écoutez, on sait où on va. Ça c'est un vrai manège. Puis surtout tu sais que c'est un vrai manège quand le truc continue à tourner quand il pleut. Oh mec. Si tu veux alors faire tomber le truc et faire des conneries, tu peux hein. Non franchement. Y'a pas moyen d'ouvrir la fenêtre. Mais non. Mais mec ça balance mec, il t'angoisse plus qu'autre chose. Ouais c'est quoi ce bruit de moteur là? Si on est bloqué mec. Oui. Non mais les gars tranquille. Là on monte pas. On est officiellement bloqué dans une grande roue russe en Sibérie mec. Mais Charlie commence à stresser. Non Charlie mais... En plus là t'es vraiment à l'endroit de merde. Les gars je vais faire une crise d'angoisse hein, je vous le dis. Regarde on arrive bientôt au culminant. T'as qu'un like. Mais fais pas ça, mec. Ah, il a écrit ne pas bouger, ne pas machin, Hugo, il saute dans la caméra. Il a écrit ne pas porter un parapluie aussi. Bon, maintenant, je pense qu'on va aller voir ce qui se passe un petit peu dans la nightlife. Partie visite de Novosibirsk en nocturne. Bon, vous m'avez demandé de voler une voiture. Oh merde! Casse-toi, 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 casse-toi!
Ok, donc après cet épisode de la grande roue sibérienne au Mont Charlie, ça a été un épisode c'était pour moi. C'était pas facile, hein, je vous le dis. Et bien nos gentils guides nous ont amenés dans un endroit qui constitue notamment ce que font les Novosibirskiens. Oh là 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 là. Et on va devoir tester deux boissons russes. Donc c'est parti, on va faire le petit sondage et puis on se retrouve juste après. Bon, bah ça y est, on a trouvé un endroit où on va pouvoir tester cette fameuse boisson russe. Vous l'avez sélectionnée, vous avez dû faire le choix entre deux boissons. On va savoir maintenant, t'es prêt Hugo? Pouh oh, mec, on va goûter un petit cocktail russe, voir ce que ça donne. Ah, il y a de la cannelle. Oh, il est grave. Mais pourquoi t'as mangé ça gros? C'est de la déco. Santé les abonnés. Je suis sûr que c'est un truc avec de la vodka. Wow. Par contre, je saurais pas vous dire ce que c'est. Il va me faire un tatouage ici. Dites-moi oui ou non, est-ce qu'il me tatoue au marqueur ou pas? Bon, vous avez dit oui, donc je vais donner mon bras. Je ne sais pas ce qu'il va me faire, mais ça part pour un tatouage. Energy thing, you know this shit. It's a Siberian tatouage, motherfucker. Because if you don't know, you'll suck my ass. What the tattoo represents? It's your energy, man. Energy? It's your energy, okay, man. Okay, what's your name? Charles. Okay. Let's do your tattoo. Hola! Siberian style, man. Oh yeah. Thank you. Yeah, man. Chaque personne qui vient ici peut déposer quelque chose sur cette carte. Et la question c'est de savoir, est-ce que je vais laisser ma carte SNCF ici ou pas? A vous de me dire, et résultat dans quelques minutes. Est-ce que je vais devoir me séparer de ma carte SNCF? Verdict? Oui. J'accroche ma carte. Mec, je suis mort. Attends, prends-moi celui-là. Allez, Carlos. Yes. Oui. La personne qui me rend cette carte, je cuisine pour elle. Mec, ça est acté. Je représente la personne. Acté. Je serre la main pour toutes les personnes qui entendent ça. Hugo oui. Sera votre avocat. Je prendrai des honoraires. Maintenant, Charles, veille. Et on n'est pas dans un yes man là. Et bien voilà, ça y est, notre périple se termine. Vous nous avez emmenés très très loin. Novosibirsk, c'était une expérience de malade. Oui, il faisait froid, oui, il y avait du vent. On a découvert des gens super sympas. C'est des gens très chaleureux, très accueillants. C'était top, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, la première partie de la vidéo est sur la chaîne d'Hugo. Pour aller la voir, c'est très simple. Vous allez sur la barre de recherche, vous tapez Hugo Posé Instagram. Vous allez voir, c'est... Il s'est passé de malade sur notre chemin, que ça soit à l'aéroport, que ça soit pour ce truc là, que ça soit quand on est passeport. Oui, j'ai mon passeport. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Pas peut-être un épisode 2. Ah mais carrément, je suis grave chaud. Ah, et encore plus loin mon Charlie. Abonnez-vous à la chaîne de Charles en cliquant sur le bouton rouge. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, c'était génial. Nous on espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très vite et sur ce, bye bye.